Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, l'astuce pour ouvrir une bouteille de champagne ou de vin mousseux sans en mettre partout. Donc pour cela, nous avons besoin de notre bouteille de champagne, d'un torchon si besoin et les verres pour servir. Alors, pour l'exemple, je vais vous montrer que la bouteille de champagne était secouée, comme ceci. On voit les bulles. Voilà. Donc, pour ce faire, on prend notre bouteille de champagne, on la retourne comme ceci, on la laisse à peu près 30 secondes retourner, on tapote comme cela sur le verre pendant 20-30 secondes afin que le gaz remonte dans le culot de la bouteille, comme ceci, puis on la remet à l'endroit, on enlève les protections. Une fois qu'on a enlevé les protections comme ceci, on va enlever la petite cage comme cela et on va garder notre pouce gauche sur le bouchon. Entre-temps, on va prendre avec notre main comme ceci bien fermement. Si vous avez peur que votre main ne glisse, vous prenez avec le torchon et vous mettez comme ceci votre bouteille à peu près à 45 degrés et vous commencez à dévisser le bouchon tout doucement. Voilà, comme ceci, on sent la pression du gaz. Vous le faites tout doucement pour que le plus gros du gaz s'en aille tranquillement. Puis, voilà, votre bouteille s'ouvre tranquillement et vous n'avez plus qu'à servir. Le premier verre va être plein de mousse, donc vous passez directement au deuxième verre tranquillement. Pour que le verre mousse moins, vous penchez un petit peu votre verre comme ceci. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, à bientôt !